Drapé de bleu, il est le roi. Chaque matin, son lever enchante le monde. Chaque matin, les couleurs comme ravivées émergent de la nuit. Chaque matin, sa lumière ricoche à la surface de l'eau et envoûte l'œil qui s'y attarde. À l'endroit où les Pyrénées plongent dans la mer, à l'endroit où la France rencontre l'Espagne, Collioure est un mirage. Les couleurs innombrables s'associent pour composer une symphonie remarquable. Ici, le réel est une œuvre d'art. Depuis l'aventure du fauvisme voilà plus d'un siècle, les artistes affluent pour se confronter à leur tour à ces paysages. L'étonnement sera le fil rouge de mon itinéraire. Je suis impatiente de découvrir les artistes qui, encore aujourd'hui, peignent à la lumière de Collioure. Comme un hommage à Matisse, une fenêtre s'ouvre sur Collioure. Les premiers rayons du soleil réveillent les couleurs de la façade. Ouvert en 1925 par René et Pauline Pousse, l'hôtel des Templiers est une histoire de famille. Il devient, en quelques années, l'épicentre de la vie artistique. Pablo Picasso est immortalisé ici, avec le propriétaire. En 1954, le peintre andalou préside les fêtes de Collioure. Henri Matisse y séjourne 4 ans plus tôt et laissera derrière lui ce dessin plein de saveurs. Depuis le début du XXe siècle, le petit port catalan n'a cessé de se métamorphoser. Vestige d'une époque révolue, les tableaux murmurent aux oreilles du présent et m'invitent à rembobiner le film de l'histoire. Abrité par le dessin d'un littoral escarpé, au pied de la frontière naturelle formée par les Pyrénées, Collioure jouit d'une position stratégique. Sous domination française, la plaine du Roussillon est cédée à l'Espagne. L'empereur Charles Quint, à l'emplacement d'une ancienne tour de garde, ordonne la construction du Fort Saint-Elme. Quatre siècles plus tard, son ombre plane encore sur la ville. En 1642, à l'issue d'âpres combats, les troupes espagnoles sont défaites. Perpignan et sa région redeviennent françaises. Le jeune Louis XIV charge l'architecte et urbaniste Vauban de réaliser quelques aménagements. Le château royal est agrandi et les remparts sont surélevés pour mieux défendre ce bastion méridional du royaume de France. Une fois la paix retrouvée, le commerce reprend ses droits. On vend de l'huile, du vin et surtout des anchois qui feront le succès de Collioure. La famille des Clupéidés a beau être assez petit, il n'en faut pas moins de grands filets pour le prendre. Des filets qui ont au minimum 150 mètres de long. L'arrivée du chemin de fer au milieu du 19e siècle accélère l'expansion urbaine et le développement économique.
L'activité maritime offre au peintre un répertoire inépuisable de motifs. Comme Giverny, Étretat ou Barbizon, Collioure s'est fait une place dans l'histoire de la peinture. Subjugué par le miroitement de sa lumière, par l'intensité solaire de ses couleurs, plusieurs générations de peintres sont tombées sous le charme. Entouré par de vastes collines, le port de pêche catalan est un berceau. Celui d'une peinture radicale parce que nécessaire, audacieuse parce que sans compromis. Ce tableau est signé Henri Matisse. Tout juste sorti de leur tube encore fumant, les couleurs pures jaillissent. Il fait partie des 15 toiles que l'artiste réalise au cours de son premier séjour à Collioure. En 1905. En proie à de grandes difficultés financières, Matisse et sa famille arrivent à Collioure le 16 mai. Il est alors âgé de 36 ans. Jusqu'à la fin de l'été, le mythe de l'âge d'or devient une réalité. C'est pour lui une révélation. L'artiste y retrouve avec une joie infinie le soleil du grand midi. Né dans le nord de la France, Matisse est une boussole qui indique le sud. À l'âge de 20 ans, un séjour à l'hôpital le détourne d'une carrière juridique. Ce revers du destin est une bénédiction. Il peint alors ses premières toiles. 2 ans plus tard, à Paris, le jeune homme entre dans l'atelier du peintre symboliste Gustave Moreau et sera initié à la sculpture et au modelage par Antoine Bourdel. Depuis la fenêtre de son atelier du quai Saint-Michel, Matisse multiplie les vues. Sous le ciel de Paris, les couleurs de sa palette reflètent l'influence de Paul Gauguin. Son premier face-à-face avec la Méditerranée a lieu en Corse. Fasciné par le paysage de cette île bien nommée, il réalise une 50aine de toiles. En 1904, Matisse accepte l'invitation de Paul Signac et passe l'été à Saint-Tropez. Les toiles qu'il peint sont de véritables laboratoires. Présenté quelques semaines avant son départ pour Collioure, luxe, calme et volupté en dit long sur la révolution en cours dans l'esprit du peintre. Le parfum des fleurs du mal enivre sa palette. Intemporalité de la matière, furieuse modernité de la manière. Celui que la critique n'a pas encore qualifié de fauve transgresse le divisionnisme de son mentor. À Collioure, la surface colorée se répand. Le monde visible s'inscrit dans une fenêtre. Ode à la vie simple, présence d'une nature primitive et intacte, ces toiles sont celles d'un peintre joyeux de vivre. Sur une carte postale, Matisse écrit à son ami André Derain. Je ne saurais trop insister pour vous persuader qu'un séjour ici vous est absolument nécessaire. Le jeune peintre débarque à Collioure une semaine plus tard. C'est alors l'épreuve du feu. Derain utilise ses tubes de peinture comme de la dynamite. À Paris, les deux hommes présentent leurs toiles au Salon d'automne. Pour le critique Louis Vaucel, les auteurs de ces œuvres aux couleurs rugissantes ne peuvent être que des fauves. Le bon mot est resté, qualifiant ce moment inouï de liberté picturale.
Devenu l'emblème de Collioure, le phare qu'André Derain voyait de son balcon n'a pas bougé. Les pieds dans l'eau, il s'élance avec vigueur à l'assaut du ciel. Par l'intermédiaire de 12 points de vue, l'artiste Marc-André de Figueres, entre masculin et féminin, suggère la charge érotique du port. Reflet de la métamorphose à l'œuvre, à bord des bateaux, les touristes ont remplacé les anchois. La ville, quant à elle, continue d'être une source d'émotion pour les artistes. C'est le cas de Marie-Christine Boisserie qui me donne rendez-vous au musée de Collioure. Créée en 1934 à l'initiative du peintre russe Jean Pesquet, le musée est un pont entre le passé et le présent. Sa programmation met en valeur l'héritage artistique de la ville. Je travaille sans photos, sans rien. C'est ce qui me reste en tête de mes voyages. Ou, vous savez, quand vous passez la corniche à Collioure, le ciel il est tout le temps différent, la mer est tout le temps différente. Ça fait 12 ans que j'expose à Collioure. D'accord. Donc j'avais commencé au départ avec une amie, et puis après chacune en a pris des ateliers différents. Et puis j'étais beaucoup plus figurative au départ. Donc il y a une évolution qui s'est... Il y a vraiment une évolution qui va vers l'abstrait, et puis vers la couleur. J'essaye justement, quand je travaille une toile de cette manière, c'est quand même, je travaille, je suis près de ma toile, mais je recule toutes les 5 minutes pour voir la profondeur qu'il peut y avoir dans cette toile. C'est l'abstrait, on dit toujours c'est facile, mais c'est pas facile. Il faut qu'il y ait un mouvement, il faut qu'il y ait quelque chose. Puis bon, chez le peintre, le travail de la couleur est tellement important. Et puis vous me disiez aussi, c'est à travers vos voyages? Alors c'est à travers mes voyages, oui bien sûr, justement, j'adore voyager. Donc dès que j'arrête Collioure, en général on va faire un tour quelque part. Parce que de toute façon, c'est en regardant le monde que l'on peut peindre. C'est pas tout le temps en restant dans sa pièce enfermée, il faut justement puis apprendre à regarder. Et c'est aussi ces couleurs dont vous parlez que vous avez trouvées à Collioure? À Collioure, ben oui, parce qu'à Collioure, le ciel est tellement bleu, regardez aujourd'hui, il est magnifique. Donc c'est vrai que souvent, il n'y a pas la toile bleue, mais... Celle-là, par exemple, là-bas, c'est une toile où il y a des bleus très forts, enfin, des bleus outre-mer. Et je pense que tous les peintres ici... sont imprégnés, comme tous ceux qui sont passés avant nous, étaient imprégnés par la couleur du ciel, l'éclairage qu'il y a à Collioure. Moi, en tant que peintre, j'adore travailler l'huile parce que c'est beaucoup plus, comme je travaille à la spatule, c'est beaucoup plus onctueux, il y a de la matière. Il faut mettre beaucoup de peinture et travailler très vite pour obtenir toutes ces petits, ces dégradés de couleurs. Enfin, je trouve ça fabuleux. Puis là aussi, on peut le voir avec... Voilà, et puis savoir aussi harmoniser les couleurs. Bon, ça, la couleur, c'est un peu inné. Même si on apprend les primaires, les complémentaires, ce sont nos émotions. Donc si je vous donne les mêmes 4 couleurs que je prends, vous allez faire des choses complètement différentes. Du rouge, de l'orange, et comme Matisse l'a fait il y a de nombreuses années, Matisse, Derain, il y a Gauguin aussi qui a beaucoup travaillé la couleur. Et puis ces peintres, quand ils vivaient par exemple en Bretagne, leur peinture n'était pas du tout pareille. On est vraiment influencé par le climat du lieu que l'on habite. Enfin. Et quand ils sont venus dans le sud, ils ont été complètement, leur peinture est devenue
des couleurs totalement différentes. Des nuits bleues, des arbres roses, des troncs oranges. Voilà, il faut savoir oser, je trouve. Maintenant, chez moi, c'est plus mélangé. Et j'aime bien me défaire aussi. Il faut savoir, on a notre propre personnalité, de toute façon. Indépendamment des indépendamment artistes. Voilà, parce qu'on est toujours influencé, justement. Matisse nous a beaucoup, nous influence beaucoup, ne serait-ce par ses couleurs. Matisse et puis beaucoup de peintres qui sont passés par là. Nous, on arrive après tout le monde et tous les autres peintres ont fait déjà des choses fabuleuses et innovantes que nous, on n'innove plus rien. Nous, voilà. Et c'est plus, on se pose tout le temps des questions à ce sujet. On se dit, mais comment aller plus loin ? Une profondeur, il faut pouvoir partir, voyager. Donner l'envie de voyager. C'est ce qu'on ressent en tout cas. C'est comme la montagne qui est là, ça peut être le canigou comme autre chose. Ça se confond avec le ciel. Un des peintres dans la rue m'a dit, mais écoute, je connais quelqu'un qui a un atelier à louer. Matisse, dans cet immeuble, au deuxième étage, a peint la toile fenêtre sur Collioure. Mm. Voilà. Oui, se dire que quand même Matisse était au deuxième étage, il était là, donc je vois le même paysage que lui tous les jours. Et c'est vrai que ne serait-ce pour mes aquarelles, là j'aurais le clocher de Collioure vu différemment, et je trouve que c'est un des plus beaux côtés de ce côté-là que de l'autre côté. En plus, premièrement, on ne voit pas tout le monde devant, à l'ultimé. On voit le clocher, mais c'est splendide de ce côté. Fruits du soleil, les toiles de Marie-Christine Boisserée sont de véritables invitations au voyage. Engagée sur le chemin de la couleur, l'artiste passionnée illustre à merveille le plaisir de peindre. Un siècle après l'aventure fauve, la côte vermeille enflamme toujours la palette des peintres. Si leur nom et leur style ont changé, certains motifs demeurent. Artère emblématique, la rue de la Fraternité fait battre le cœur artistique de Collioure. J'y retrouve Daniel Canlas. On va faire un petit Collioure, très très... Alors, la petite église, c'est très gestuel, très spontané et donc très rapide hein, comme travail. Donc ça, j'en fais pratiquement tous les jours, hein, quelques-unes. Voilà. J'ai repris des cours aux Beaux-Arts pour les adultes. Un peu avant ma quarantaine, voilà, donc, et petit à petit, et là, je suis très contente parce que c'est très d'être arrivée à faire ce que j'avais vraiment envie. Après, j'ai plein de marines, c'est vrai que les gens aiment bien les marines, donc voilà, marines. Ça, c'est une semi-abstrait aussi, vous êtes canigou, l'étang de Canet, et puis de Franck, quelques petites fleurs. La barque catalane aussi, toujours les sardines avec les anchois, des fleurs. Voilà, un peu plus moderne. Dans toutes sortes. Hein. Les jeux sont toujours différents. Ah oui, j'ai des fleurs. Ah oui, ce sont les maisons de Collioure, les maisons de pêcheurs très hautes, très colorées. Voilà, elles sont rigolotes.
choses qui vont vous inspirer, que vous allez peindre. Donc, c'est des paysages que vous avez en tête. Des paysages, mais des couleurs des aussi. Des couleurs, voilà. Des couleurs, j'ai envie de certaines couleurs. Et donc, ça peut être de l'abstrait aussi, mais toujours très carré d'ailleurs. Et je pars dans des harmonies de couleurs. Et je travaille surtout au couteau. Tout ce qui est très carré, c'est du couteau. D'accord. Et quand je peins au pinceau, je suis dans des rondeurs très, très particulières. Hein, voilà. C'est-à-dire, avec le couteau, j'arrive à mettre plus de quantité de matière. Je suis plus généreuse, j'ai l'impression. Parce que je consomme une quantité de peinture. Et j'adore ce côté, on en met, on en remet, on s'en met partout. Voilà, il y a ce côté un peu... Alors que pinceau, c'est pas pareil. Je préfère de l'abstraction, mais avec à peine quand même. On a un petit socle de quelque chose. Et après, chacun s'y projette en fonction de ses envies. Et figuratif, non, j'aime pas quand ça ressemble à quelque chose. Je préfère laisser l'imaginaire et inventer. Et ça n'a rien à voir avec la réalité, mis à part qu'il y a un petit bateau. C'est très simple en fait de conception. Et après, les tableaux à l'acrylique ou à l'huile. Donc là, c'est beaucoup plus long parce que je travaille sur couche, donc j'attends quelques jours. Je prends du recul, je recommence. Donc là, c'est un travail beaucoup plus long. Plus long. Alors que l'aquarelle, il faut que ce soit rapide et on ne peut pas retravailler dessus, en fait. En général, je travaille plusieurs toiles à la fois. Ah oui ? Ah oui, je ne suis pas du tout posée. Ouais, tranquille. Ah non, je suis dans une espèce de stress positif. Et quand je trouve des couleurs, j'en mets là, j'en mets... Je suis plutôt... Je ne suis pas tranquille hein, quand je peins. Parce que je... Non, c'est plutôt stressant. La toile est déjà... En fait, je ne pars jamais d'une toile blanche. C'est hyper angoissant. Donc, mes toiles, je les peins déjà. Je mets une première couleur déjà. Ou du noir, ou de l'ocre, ou du rouge, ou du jaune. D'ailleurs, on voit, je garde toujours un petit peu de... Attendez, où est-ce qu'on peut voir ça? Là, par exemple, elles sont rouges. Voilà, on voit encore un petit peu de rouge. Là, elles sont jaunes. Et donc, on voit toujours la petite bordure jaune. Et ça me permet d'avoir des petites variations, des petits vibrato dans les couleurs. On invente un nouveau monde, en fait. Hein. C'est ça. En peignant, ça permet de... Pour vous et pour nous qui voyons... Tout est permis, en fait. C'est ça. Et c'est ça qui est top. Ma première émotion, c'était Gauguin. Ah oui. Alors là, vraiment, j'étais subjuguée et Gauguin, c'était quelque chose d'incroyable pour moi. C'était une grande découverte. J'ai acheté des tas de bouquins, enfin voilà, sur Gauguin. Mais c'était vraiment... Et quand je faisais Les femmes africaines, c'était un hommage à Gauguin. C'est moi qui vous remercie. Bonne continuation. Vous aussi. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Réalisé à l'huile ou à l'aquarelle, les paysages de Collioure véhiculent l'identité de la région. Monter les chemins de la peinture, c'est accueillir comme il se doit le hasard. Certains prétendent qu'il fait bien les choses. D'autres attribuent le mérite à la providence. Imprévu, la rencontre avec Guylaine le Gentil m'a convaincu qu'un passage par sa cabane était indispensable. On a toujours le plaisir de regarder. C'est ça qui est magnifique, tu te mets du côté Beauramar, tu te mets du côté de la plage Saint-Vincent, tu vas jusqu'au phare, tu vas de l'autre côté à la Balette.
Tu fais que te régaler. Tu montes un petit peu même au château Saint-Elme, là. Puis tu regardes Collioure, là, de haut, comme ça. C'est là-dessus, c'est... Mais voilà, mais c'est tout le temps beau à voir, tout le temps. Je me demande, parce qu'il y a une vibration quand même, non seulement ici, mais une vibration dans ma vie, il y a une énergie particulière que je ressens. Donc c'est parce que tu venais les étés avec tes parents, c'est ça? Oui. Que tu as découvert Collioure, et puis s'en est suivi cette rencontre. Oui. Et tu es venue après t'installer à 17 ans, après avoir fait une année dans l'école, voilà. Qui t'aura quand même apporté des choses. Oui. Bah, de s'apercevoir qu'on peut étudier plusieurs techniques, tu vois, voilà, qu'on peut s'aventurer, qu'il y a plein de choses qu'on peut découvrir dans les magasins de beaux-arts, qu'on peut expérimenter, quoi. Voilà, ça m'a ouvert pour ça. Et en plus, mon mari, pour lui, c'était pas un problème parce que ses deux frères exposaient aussi sur le port. Donc ils sont artistes. Donc, aussi Lui, non, mais ses deux frères, oui. Donc pour lui, que je sois artiste, il était content vis-à-vis de ses frères, vous avez vu. Elle est artiste. Hein? Elle est où, je suis avec une artiste. Bah oui, c'est un peu ça. Voilà quoi, ça. Pour lui, c'était pas un problème quoi. Et donc j'ai exposé à 17 ans, voilà. J'étais sur le port. Et combien de temps t'es restée sur le port à peindre de Collioure? Ben, en tout, il y a eu bien une quinzaine d'années. Mais c'était des fois alterné entre un atelier. T'es obligée d'arrêter parce que les prix, on te les mettait trop fort. Donc tu retournais. Et j'ai même eu des périodes où je prenais un atelier pendant un été, mais mon mari était quand même sur le port et il invitait les gens à monter. Hein? Super. C'est... Et à l'époque, on était très très nombreux sur le port, hein? Oui. Quasiment tous sur le port. Avec les chevalets, les charrettes, fallait mettre les cailloux parce que ici, quand t'as les trains montagne, ça souffle fort et il y a des fois, le temps fait que tu peux même pas aller exposer. Hein? Impossible quoi. Donc. On s'est vu nous en tant qu'artistes un petit peu, déplacés, quoi. Alors que vous êtes un peu aussi la racine, les sens, les gens aussi viennent à Collioure vous voir. En fait, eux, pour eux, on était plus là pour profiter du renom des artistes qui sont venus que plus d'être de vrais artistes, tu vois, vraiment animés quoi, par leur vocation, tu vois, leur chemin de vie. Quoi. Bon, moi, j'ai eu un cadeau extraordinaire. J'ai changé 8 fois d'atelier à Collioure, hein. Oui. Quand même. Hein. Et en fait, c'est une dame, connaissant ma situation, le garage était à vendre, et en fait, elle a décidé d'avancer tout l'argent, et que je lui rembourse à elle, et elle a permis que je puisse être propriétaire du lieu. Quoi. C'est énorme, c'est une très grande chance. Ouf. Ah oui, là... C'est que tu devais continuer à peindre, avoir ton atelier fixe à un endroit. Et pas n'importe où, hein. Devant l'école. Parce que là, tu vois, devant l'école, sur l'école, là-bas, sur le mur, je sais pas si tu vois, il y a une céramique qui est posée en soleil. Là, oui, ouais, bien sûr, je vois. Tout en couleur. Et c'est moi qui l'ai fait réaliser aux enfants. J'ai travaillé quelques années bénévolement à l'école, quoi, pour peindre avec les enfants. Et t'apprends beaucoup, hein, quand tu peins avec les enfants. En sachant que la vie est courte, j'ai pas de temps à perdre. Si je dois expérimenter, c'est maintenant. Je vais pas attendre la retraite. Donc je ne veux pas être dans le possédant commercial et tout, je veux découvrir ce que je dois faire. Donc je me suis aventurée dans les couleurs, les matières, en sachant qu'un jour, le naturel revient au galop, donc le dessin finira par rejoindre les couleurs. En fait, ce qui te vient sur l'instant présent de te dire, tiens, je vais essayer ça. T'y vas, t'essayes. Si c'est raté, tu ne vas pas recommencer. La même bêtise. Mais si tu vois que ça réussit, que ça donne des aspects intéressants, tu sais que c'est bon, tu peux y aller. Tu as bien été inspirée. C'est super. Donc, oser s'aventurer. C'est au moment où tu vas poser le pinceau que tu vas découvrir l'écriture graphique qui va arriver. Et tu découvres à chaque fois une nouvelle écriture. Je disais, chaque instant, un instant nouveau, dans la création, c'est infini. T'auras jamais la même feuille sur un arbre, pas croire. Il y a une part d'aventure, donc tu découvres. Sans cesse tout le temps. Ouais.
Saint-Vincent de Collioure, il a été martyr en tant que chrétien à l'époque des Romains sur le rocher qui est là. C'est pour ça qu'il y a une chapelle là avec une croix, quand vous irez tout à l'heure. Et après là, tu peux longer le phare. Pour ça, je dis, au niveau des vues, c'est extraordinaire. Donc il a été torturé d'abord sur ce rocher. Ils l'ont suspendu. Et en fait, en tombant, il se brisait les membres. Ils pensaient qu'il allait révoquer, tu vois, sa chrétienté. Et quand ils sont revenus le lendemain le chercher dans sa geôle, il n'avait plus rien. Du coup, ils l'ont décapité. Quelle histoire! Et on a à Collioure la fête, justement, de Saint-Vincent, avec la procession des reliques et tout, de la chapelle, là, jusqu'à l'église. Chaque année? Chaque année, au mois d'août. Dimensions qui sont invisibles mais qui sont là. Les gestes, les actes que l'on pose, il y a des raccords qui sont sur d'autres plans. Fou, mais tu les vois pas. Voilà. Le cœur grand ouvert pour ne rien perdre de l'essentiel, charmé par la sincérité du discours de l'artiste, je laisse Guylaine façonner son propre univers. Hautement spirituel, sa pratique artistique la relie à l'invisible. Et donc, ça, c'est les reproductions des peintures que j'ai déjà vendues. Et c'est une façon de faire vivre l'œuvre éternellement par le biais des reproductions. Et si je me contentais de peindre exactement ce que je vois, bon, ça va, c'est toujours la même chose. Le clocher, la mer, j'ai besoin de leur donner une vie. Dans votre atelier, ça vous arrive parfois aussi à l'extérieur de vous installer, de vous poser peut-être pour peindre? Oui. Non. Non. Non, parce que je dis que moi, je suis comme un écrivain. J'invente une histoire. Alors, je pars de, par exemple, de ça. Ben, j'ai envie de peindre une fenêtre. Je vais mettre Collioure derrière, mais où je positionne la fenêtre, ben, je cherche dans ma tête. Mais j'ai pas besoin d'être là pour savoir ce qu'il y a derrière. J'aime une histoire que vous avez et que nous, on reçoit peut-être aussi différemment. Voilà. Et ça laisse la place à plein de choses. Ben, j'espère. En s'appuyant contre ce qu'il voit, le peintre donne naissance à un monde inventé, fantasmé parfois. De la place publique à l'intimité d'un atelier, il n'y a qu'un pas. Je prends plaisir à le franchir. Loin de l'agitation du port, Annick, Laurie partage sa vie entre peinture et psychanalyse. Ses deux voies la mènent en terre inconnue, c'est-à-dire au beau milieu de son être. Dans ce petit havre de paix, même le nom du chien convoque l'histoire de la peinture. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Nous sommes deux à vous accueillir. Oui. Allez. Chantez. Bonjour. Bonjour Ilana. Annick. Merci de nous recevoir. Et voilà Mona. Ah, salut Mona. C'est Mona Lisa. Salut. Je m'aperçois qu'en fait, même dans cette peinture-là, l'acrylique fluide, le figuratif me rattrape toujours en fait. Je suis en quête de, je dirais, de travailler l'abstrait et je voudrais tendre vers un abstrait de plus en plus épuré. À un moment ou à un autre, il faut que mon tableau me parle. Bien sûr. Voilà. Mais s'il me parle, c'est que j'ai quitté peut-être l'abstrait, à mon avis.
Mmh. Voilà. Moi, j'y vois la mer, j'y vois la tempête, j'y vois beaucoup de mouvements, des bruits, des sensations qui apparaissent. Il y a effectivement quelque chose de très dynamique dans cette peinture. Hein. Ça évoque, c'est parfois onirique, organique, végétal, voilà, des univers assez bruts qui évoquent la nature aussi. Au cours du travail, il y a un incident de parcours qui d'un seul coup vient vous surprendre. C'est comme chez l'analyste en séance, le patient qui d'un seul coup se met à dire quelque chose qu'il n'avait jamais entendu de sa propre bouche et ça vient l'étonner, le surprendre. Alors voilà, en peinture aussi, parfois des choses viennent nous surprendre. Et là, l'important, parfois je n'ai pas évité l'écueil, l'important c'est de ne pas gâcher cette surprise. C'est-à-dire de pouvoir la garder et retravailler autour, mais ne pas effacer ce qui vient d'apparaître. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et là, comme il y a longtemps que je n'ai pas travaillé sur ces peintures-là, qui ont été déjà... C'est possible, hein. Il y a quelque chose d'assez ludique. Le lien entre la psychanalyse et la peinture. Par exemple, dans l'écriture, il faut, pour écrire, il y a la pensée, et c'est la pensée que l'on va retranscrire sur la feuille de papier. Là, c'est quelque chose de peut-être plus brut, plus archaïque, voilà. Et j'ai peut-être une difficulté à ce niveau-là, c'est que je suis beaucoup dans la maîtrise. Mmh. Et c'est quand je lâche... J'accepte de me perdre, peut-être que les choses adviennent, en fait, voilà. C'est ça qui est fabuleux aussi, c'est un apprentissage constant sur soi, sur nos racines, comment on est avec notre éducation, avec notre environnement, etc. Il y a tout ça qui est là. Aussi beaucoup de travail à côté, et puis là, exactement. Alors, ce que vous venez de dire, lâcher prise. Vous venez de prononcer un mot qui pour moi est très important, c'est la question de travail. Il est évident que derrière tout cela, il y a du travail. Et je vois bien comment, dans des phases où vraiment je travaille, ça sort, ça finit par sortir. Ce n'est plus une qualité de la lumière qui me fait travailler, c'est une autre qualité, peut-être la qualité du silence ou du recueillement en fait. Et je suis vraiment là face... à moi-même. Et vous avez des artistes qui vous inspirent peut-être. J'ai pas tellement de culture à ce niveau-là. Il est certain que bon, c'est sans doute pas un hasard. J'ai Matisse, en référence à une très importante exposition Matisse-Picasso à Paris. Mais entre les deux, je préfère Matisse. Voilà, mon amour se porte vers lui. Il y a moi qui veux aller vers de plus en plus d'abstrait. Bien, on est dans le figuratif, mais l'abstrait n'est pas loin chez lui aussi, pour moi, de mon point de vue. Ce que j'ai constaté souvent dans cette peinture, c'est que il faut
faut s'arrêter très vite. Nourri par le vent, le mouvement de l'écume semble se confondre avec celui de l'acrylique. En épousant les méandres de cette côte vermeille, la voiture me ramène à Collioure et me rapproche un peu plus du départ. Sur un fil tendu entre le lieu et le paysage, entre le monde réel et celui de la peinture, mes pas ont su trouver leur chemin. En passant à grand galop, la modernité a transformé le petit port de pêche. Aujourd'hui, Collioure est devenu un site touristique très fréquenté. Trop peut-être. Source intarissable de motifs, la cité est jamais liée à la révolution du fauvisme. Matisse et Derain sortirent de leur cage les couleurs rugissantes qui somnolaient sagement dans leur tube. Locasse, la nature enseigne à ceux qui savent s'étonner de sa beauté. Suspendus à de si savantes lèvres, les peintres d'hier et d'aujourd'hui, icônes ou anonymes, tous participent à ce festin des yeux et du cœur.